aussi surpris et réjoui, comme le disait votre pasteur il y a un instant, de voir que vous êtes venus si nombreux. En effet, un lundi soir, ce n'est pas toujours très très évident. Et le sujet qui va nous préoccuper ce soir est en effet un sujet important. On m'a demandé de vous parler de la question des rapports entre l'Église et Israël. Je suis parti trop tôt. Et ce thème, je voudrais tout d'abord, avant d'ouvrir la parole de Dieu ensemble, préciser un petit détail, mais qui a son importance. Quand je faisais, il y a bien longtemps cela, des mathématiques, mon professeur de mathématiques nous disait « si on pose mal le problème, on aura une mauvaise solution ». Et quand nous disons « Église et Israël », nous posons mal le problème et nous risquons d'avoir une mauvaise solution. Parce que quand nous disons « Israël », nous pensons les Juifs. Et quand nous disons « l'Église », nous pensons les chrétiens. Et dans notre esprit, les chrétiens, ça veut dire les non-juifs. Et l'Église, c'est quelque chose de tout à fait différent de cela. Si nous avions le temps, comme je l'ai fait aujourd'hui pour ceux qui étaient avec nous à Libéto, de prendre un certain nombre de textes, nous verrions que l'Église, c'est une réalité où sont rassemblés dans un même corps le reste d'Israël qui a cru et le reste des nations qui a cru. Parce que il y a évidemment un problème, nous dit l'apôtre Paul, en ce qui concerne le peuple d'Israël. Ce problème, il est le suivant. Comment se fait-il que le peuple d'Israël, auquel Jésus a été envoyé, à qui l'évangile était destiné d'abord, et à qui cet évangile a été prêché. Comment se fait-il que ce peuple d'Israël, dans sa grande majorité, pas dans sa totalité, mais dans sa majorité, soit resté sourd à cet évangile? Et c'est d'autant plus surprenant que, au moment où le peuple d'Israël était sourd à cet évangile, les nations, elles, s'y ralliaient. Et l'apôtre Paul commence par nous dire quelque chose d'important. Il nous dit, c'est pas quelque chose qui doit nous étonner. Parce que quand nous considérons l'histoire du peuple d'Israël telle que la Bible nous le rapporte, nous constatons que souvent, une grande partie du peuple d'Israël a été loin de son Dieu. C'était vrai à l'époque des juges, c'était vrai à l'époque du prophète Samuel, c'était vrai dans toutes les périodes d'apostasie qui ont marqué l'histoire du peuple d'Israël. Mais, nous dit l'apôtre Paul, à chaque pas, à chaque étape de l'histoire d'Israël, il y a eu un reste qui a été fidèle à son Dieu. Et ce reste, nous dit l'apôtre, il a été en quelque sorte comme les prémices de l'ensemble du peuple. Et je voudrais que nous fassions une lecture dans le livre des Nombres. Attendez, je ne suis pas certain que j'ai... Ah si, Nombre chapitre 15 et au verset 17 à 21. Nombre 15, 17 à 21. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux Israélites, tu leur diras, quand vous serez arrivés dans le pays où je vous fais entrer, et que vous mangerez le pain dans ce pays, vous prélèverez une offrande pour l'Éternel. Vous prélèverez un gâteau, les prémices de votre pâte. Vous le prélèverez comme ce que l'on prélève sur l'air. Vous donnerez un prélèvement pour l'Éternel, une offrande des prémices de votre pâte dans toutes vos générations. » Cette question des prémices,
Nous la retrouvons également dans l'épître de Paul aux Romains. Et Paul nous dit ceci, verset 16 du chapitre 11 de l'épître aux Romains. « Or, si les prémices sont saintes, la pâte l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, olivier sauvage, tu as été greffé, alors comme je le faisais remarquer il y a quelques jours à Fribourg, où je suis intervenu sur un thème un peu semblable, il y a dans la plupart de nos versions ici une très grosse erreur de traduction. Et je dirais que c'est une erreur de traduction qui n'est pas accidentelle, qui est délibérée parce qu'elle est conditionnée par un antisémitisme chrétien que nous avons hérité des pères de l'Église. Et dans la plupart de nos versions, nous trouvons ceci, « Si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, olivier sauvage, tu as été greffé à leur place. » Et cette expression « à leur place » a donné lieu à ce que l'on appelle la théologie de la substitution. C'est-à-dire que Israël, qui est resté dans cette incrédulité, a été destitué par Dieu de son élection, de ses privilèges, de sa vocation. Et même, comme le disait un des pères de l'Église, s'appelait Justin Martyr, de ses Écritures. Et ces réalités ont été transférées à un autre peuple, c'est-à-dire à l'Église, et quand nous disons l'Église, comme je le mentionnais tout à l'heure, nous voulons dire l'Église des nations, l'Église des païens. Cette traduction malheureuse est une des bases de cette théologie de la substitution. Mais quand nous lisons le texte dans l'original grec, et ici vous êtes, il y a des gens qui sont dans une école biblique, vous connaissez sûrement un peu le grec. Or, il nous est dit ceci, « Tu as été greffé en autos », ce qui veut dire « en eux » littéralement. « Au milieu d'eux, dans leur sein, et non pas à leur place. » Voyez-vous comment il y a ici, quand nous relisons le texte original, ça change complètement la perspective. Donc, tu as été greffé en leur sein. Et si tu participes à la racine de la sève de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens des branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, des branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé, c'est bien. Elles ont été retranchées à cause de leur manque de foi, et toi tu subsistes par la foi. N'aie donc pas des pensées hautaines ou orgueilleuses, mais de la crainte. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures dans cette bonté, autrement toi aussi tu seras retranché. Eux de même, s'ils ne demeurent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer à nouveau. Et si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et, contrairement à ta nature, greffé sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Deux images. Deux images qui se recoupent. L'idée des prémices, selon le texte de chapitre 19, de 15 du livre des Nombres que nous avons lu tout à l'heure, et l'image de l'olivier. Je voudrais tout d'abord m'arrêter sur la question des prémices. L'ordre que Dieu donne à Moïse, c'est qu'on prélève une partie de la pâte qui va être consacrée à l'Éternel. Et on ne peut disposer du reste de la pâte que dans la mesure où on a d'abord apporté à Dieu la part qui lui revient. Et cette mise à part
de ces prémices de la Pâque s'appelle en hébreu une sanctification. Sanctifier, littéralement, ça veut dire mettre à part. Mettre à part pour consacrer à Dieu. Et ce n'est que dans un deuxième temps que cette expression a le sens que nous lui donnons en général, qui implique une perfection morale. Mais dans le premier sens, c'est être séparé pour Dieu. Il y a donc une petite partie de cette pâte qui va se trouver consacrée à Dieu. Et à partir du moment où cette pâte a été offerte au Seigneur, prélevée pour lui être offerte, c'est somme toute tout le reste de la pâte qui va se trouver consacrée au Seigneur. Et c'est exactement l'image que Paul prend ici. De tout temps, dit Paul aux Romains, il y a eu la grande partie du peuple d'Israël qui a été loin de Dieu, qui a été parfois même dans l'apostasie. Et Paul prend l'exemple d'un des pires moments de ces apostasies d'Israël, ce qui s'est passé à l'époque d'Élie et d'Akab. Quand Élie était amené à penser qu'il était le seul resté fidèle pour l'Éternel. Et Dieu le rassure. Il dit « Non, tu n'es pas tout seul. Il y a 7000 personnes qui n'ont pas plié les genoux devant Baal et qui ne l'ont pas adoré. Il y a de tout temps au sein du peuple d'Israël un reste plus ou moins important, mais un reste qui a été fidèle à son Dieu et qui par conséquent, en étant fidèle à ce Dieu, a accompli la vocation que Dieu avait adressée à Israël. Être un peuple qui lui appartienne, être un peuple saint, être un peuple mis à part, qui va être l'instrument d'une bénédiction pour les nations. Et même s'il y a un faible reste de cet ensemble d'Israël qui répond à cette vocation, cela suffit pour que l'œuvre de Dieu se fasse. Et non seulement cela suffit pour que l'œuvre de Dieu se fasse, mais ce reste, pour petit qu'il soit, sanctifie le reste du peuple qui est dans l'incrédulité et qui est dans l'apostasie. Et Paul nous dit ce qui s'est passé dans l'histoire d'Israël, telle que la Bible nous le rapporte, c'est exactement la situation dans laquelle se trouve le peuple d'Israël aujourd'hui. Contrairement à ce que vous, les Romains, vous pourriez penser, et nous, les gens du XXIe siècle, nous pensons souvent, ce n'est pas tout Israël qui est tombé dans l'endurcissement. Et Paul rappelle cela aux Romains en disant, attention, il faut se souvenir que moi, Paul, je suis juif. Et quand bien même je serais tout seul à avoir cru au Seigneur, ça suffirait pour que l'on puisse dire que tout Israël n'est pas tombé dans l'endurcissement. Mais je ne suis pas seul dans ce domaine. Il y a les autres apôtres. Et dans le livre des Actes, à la fin du livre des Actes, quand Paul revient à Jérusalem après son troisième voyage, Jacques lui dit « Tu vois, frère, combien nombreux sont les Juifs qui ont cru ?» Et ça, c'est aussi une réalité que l'archéologie a démontrée. On a retrouvé dans les fouilles archéologiques des centaines et des centaines de tombes judéo-chrétiennes à Jérusalem et dans les environs, qui datent du premier siècle de notre ère. Ce qui montre qu'à cette époque, l'Évangile avait eu un impact extrêmement important au sein du peuple d'Israël. Bien sûr, ça n'était pas la majorité du peuple, mais c'était une minorité importante. Et par conséquent, Paul était fondé de parler de l'existence de ce reste. Il y avait un reste qui était entré dans sa vocation, un reste qui avait atteint le but pour lequel Dieu l'avait suscité, le but que Dieu avait imaginé lorsqu'il avait envoyé à Israël son Messie. Et par conséquent, même si
La majorité du peuple était dans l'incrédulité. L'œuvre de Dieu allait pouvoir se poursuivre et se faire. Mais non seulement cette œuvre de Dieu allait pouvoir se poursuivre et se faire, mais en même temps, elle était cette existence du reste. Elle était exactement comme les prémices de cette pâte. C'était ce reste qui était sanctifié, consacré à Dieu, mais il restait solidaire de la partie du peuple qui était encore dans l'incrédulité, de la même manière que la partie de la pâte qui avait été prélevée comme prémisse restait solidaire de l'ensemble de la pâte. Et la sanctification des prémices était la garantie de la sanctification du reste de la pâte. Et Paul en conclut que, puisque, comme il le dit, les prémices sont saintes, sanctifiées, le reste l'est aussi. Ça veut dire la partie d'Israël, la majorité d'Israël qui est encore dans l'endurcissement. Et si le peuple d'Israël, incrédule, a subsisté jusqu'à ce jour, c'est à cause de l'existence de ce reste dans le plan de Dieu. Et si le peuple d'Israël a pu traverser toutes les épreuves qu'il a traversées, c'est parce que de tout temps en son sein, il y a eu des hommes et des femmes qui ont cru que Jésus était le Messie. Et non seulement le Seigneur, à cause de l'existence de ce reste, a permis au peuple d'Israël de surmonter toutes ces épreuves, mais également, nous dit l'apôtre Paul, l'existence de ce reste est la garantie que le reste de la pâte, ça veut dire l'Israël, encore pour leur incrédule, un jour lui aussi entrera dans le salut. Ce qui veut dire que l'aveuglement d'Israël est une réalité temporaire. Et à un moment que nous allons déterminer dans un instant, eh bien, le peuple d'Israël, qui est encore plongé dans l'aveuglement, eh bien, trouvera la véritable lumière et se tournera vers son Messie. Maintenant, nous dit l'apôtre Paul, ce reste d'Israël, il constitue le noyau même de l'Église. Non seulement ce noyau permet l'existence et la persistance du peuple d'Israël incrédule, mais c'est ce noyau-là qui permet l'existence de l'Église. C'est pourquoi mon professeur du Nouveau Testament à Jérusalem, qui était un juif pieux, disait que le christianisme est une religion juive. Et oui, c'est une religion juive parce que l'Évangile est d'abord pour le juif, nous dit l'apôtre Paul. Et dans un deuxième temps seulement, il est pour le grec, c'est-à-dire pour le non-juif. Et Paul a toujours respecté cette priorité. Comme je le rappelais tout à l'heure, à ceux qui étaient avec nous à Libéto, quand Paul arrivait dans une ville, la première chose qu'il commençait à faire, c'était d'entrer dans la synagogue et de prêcher l'Évangile aux Juifs. Et ce n'était que dans la mesure où les Juifs de la synagogue ne voulaient pas recevoir cet Évangile qu'ils se tournaient alors vers les païens. Il y avait toujours cette priorité. Et Paul nous dit, s'il devait arriver, mais cela n'arrivera jamais, s'il devait arriver qu'il n'y ait plus de juifs dans l'Église, alors l'Église cesserait d'être l'Église pour devenir une réalité étrangère. Bien sûr, la présence des juifs dans l'Église n'a pas toujours été évidente. Quand je dis présence des juifs dans l'Église, bien sûr, je ne veux pas dire qu'il doit y avoir des juifs dans chaque Église locale, mais il doit y avoir des juifs dans l'Église universelle. Et même si cette visibilité des Juifs dans l'Église n'a pas toujours été évidente, ne serait-ce que parce que les non-Juifs, qui étaient la majorité, ont voulu
faire en sorte que les Juifs cachent ou abandonnent leur identité juive. Mais il n'en demeure pas moins qu'aux yeux de Dieu, il y a toujours eu ce reste dans l'Église qui était le reste d'Israël. Et c'est justement parce qu'il y a la présence de ce reste que l'Église peut être l'Église. Maintenant, il y a la deuxième image que Paul emploie et que nous avons lue dans notre texte. La question de l'olivier, la parabole de l'olivier. Et Paul nous dit, ce n'est pas toi qui portes la racine, toi le chrétien non-juif, mais c'est la racine qui te porte. Et Paul emploie cette image que nous avons rencontrée. Les païens sont dans une situation particulière vis-à-vis non seulement de ce reste qui est dans l'Église, de ce reste d'Israël, mais également dans leur relation avec le peuple d'Israël. D'abord, les païens qui sont dans l'Église, bien qu'ils soient majoritaires pour des raisons évidentes qui tiennent à la démographie, mais même dans cette situation-là, les païens ne sont qu'un reste parmi l'ensemble des païens. Ce n'est pas l'ensemble des païens qui a cru. Et bien sûr, la disproportion numérique entre le nombre du reste d'Israël qui est dans l'Église et du nombre du reste des païens qui est dans l'Église pourrait donner à penser que finalement, l'Évangile a eu beaucoup plus de succès parmi les païens qu'il n'en a eu parmi les juifs. Tout est relatif et tout est proportionnel. Si on prend les proportions au point de vue numérique du nombre des fils d'Israël et des païens, je pense que si l'on faisait des statistiques, on se rendrait compte que finalement l'Évangile n'a pas beaucoup plus de succès parmi les païens qu'il n'en a parmi les juifs. Mais parce que justement les païens sont tellement plus nombreux, ça donne l'illusion que les païens sont beaucoup plus ouverts à l'évangile que les juifs. Et, dit l'apôtre Paul, ça peut être très dangereux. Parce que cela peut introduire au sein des païens un esprit de supériorité et de mépris d'Israël. Ce qui s'est produit d'ailleurs à l'époque où l'Évangile s'est répandu dans les nations, et à l'époque des premiers siècles de l'Église, où les païens ont regardé avec mépris et avec dédain le peuple d'Israël. Quand nous lisons les écrits des pères de l'Église, nous voyons par exemple un homme comme Justin Martyr déclarer à un juif que les païens sont beaucoup plus spirituels que les juifs, parce que c'est beaucoup plus facile pour eux d'accepter l'Évangile que pour les Juifs. Ce qui est une preuve que les Juifs sont des gens difficiles, endurcis, mauvais, et par conséquent qu'ils méritent un châtiment tout à fait particulier. Paul met en garde les chrétiens non-juifs contre ce danger. Attention! Ne t'imagine pas que parce que un certain nombre de branches de l'olivier naturel ont été retranchées et que toi et d'autres païens vous avez été greffés sur ce tronc d'Israël, ne vous imaginez pas que vous êtes meilleurs que ces branches qui ont été retranchées. Parce que il n'y a pas d'acception de personne, il n'y a pas de favoritisme devant Dieu. Dieu n'a pas épargné son propre peuple quand il est tombé dans l'incrédulité et dans l'infidélité. Dieu n'a pas épargné son peuple quand il est tombé dans l'apostasie. Que les païens ne se fassent aucune illusion. Si par malheur leurs églises devaient à leur tour tomber dans l'apostasie, Dieu ne les épargnera pas davantage qu'il n'a épargné son peuple. Et le traitement sévère que Dieu a infligé à son peuple d'Israël quand il est tombé dans l'apostasie, devrait être pour les païens, dit l'apôtre Paul, un sérieux avertissement. Car
Logiquement, si Dieu avait dû avoir de la compassion, c'est vis-à-vis des branches naturelles. Il n'en a pas eu. À plus forte raison, Dieu n'en aura-t-il pas pour les païens. Parce que, nous dit l'apôtre Paul, la greffe qui s'est produite sur l'olivier est une greffe contre nature. Il le dit d'ailleurs. Et ça, tous les botanistes nous le confirment. Un botaniste vous dira que greffer un olivier sauvage, une branche d'olivier sauvage, sur un olivier de culture, ça ne tient pas. Ça n'est pas possible dans la nature. Et Paul le savait fort bien. Mais Paul emploie cette image d'une greffe contre nature pour montrer combien cette greffe, elle est l'objet d'un miracle de Dieu. Si toi, dit Paul, olivier sauvage, branche d'olivier sauvage, tu as été greffé sur l'olivier de culture qu'est l'olivier d'Israël, alors sache que tu te maintiens dans cette position-là par un miracle de Dieu, uniquement par la grâce de Dieu. Et si jamais tu viens à, comme dirait Jésus quand il parlait de la vigne cette fois-ci, si tu viens à te séparer du tronc, alors Dieu aura encore moins de scrupules, aura encore moins d'égards vis-à-vis de toi qu'il n'en a eu vis-à-vis des branches naturelles qu'étaient les enfants d'Israël. Il t'éliminera sans aucun égard. Par conséquent, bien loin de tomber dans l'orgueil vis-à-vis du peuple d'Israël, tu devrais craindre. Maintenant, je voudrais, donc ici j'ai défini ce qu'était l'Église. L'Église, c'est le rassemblement dans un même corps du reste d'Israël qui a cru et du reste des païens qui a cru. Et dans cette entité nouvelle, dans ce corps qu'est l'Église, il n'y a maintenant plus ni juif ni grec, non pas dans le sens que le juif cesse d'être juif. Paul ajoute aussi, il n'y a plus ni homme ni femme, il n'y a plus ni esclave ni libre. Et si l'on veut pousser la logique absurde dans laquelle certains tombent, quand ils disent à un juif qui se tourne vers Jésus, aujourd'hui, maintenant, tu n'es plus juif, tu es chrétien. Donc tu as perdu ton identité juive, ce qui est une manière, justement, de vouloir gommer ce noyau tellement important, ces prémices de cette pâte dont nous avons parlé tout à l'heure. Alors, ce raisonnement absurde qui dit « tu n'es plus juif parce que tu es chrétien » devrait avoir aussi une autre conséquence encore beaucoup plus absurde. Quand une femme se convertit à Jésus-Christ, elle cesse d'être une femme, elle devient un homme. Faut être logique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand Paul nous dit « il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme », il nous dit « ce dans le domaine des relations avec Dieu, dans la dimension éternelle, le fait d'être un juif ou un grec, d'être un homme ou une femme, d'être un homme libre ou un esclave, est relativisé. Parce que la chose importante, c'est cette relation avec Dieu. Il le dira d'une autre manière dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 7, quand il dit « Voilà ce que j'ordonne dans toutes les vies. As-tu été appelé circoncis juif ? Ne fais pas disparaître ta circoncision. As-tu été appelé incirconcis ? Ne te fais pas circoncire. Car la circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. » Maintenant, il est bien évident que dans la dispensation présente, dans l'économie actuelle, telle que elle est dans ce monde, eh bien, cette identité, elle demeure. Si on est un homme, on est un homme. Si on est une femme, on est une femme. Donc, si l'on est un juif, on est un juif. Si l'on est un non-juif, on est un non-juif. Mais le miracle de l'Église, nous dit l'apôtre Paul, c'est que ces différences
qui auraient dû être des différences séparatrices, et qui l'étaient jusqu'à la venue de Jésus, sont maintenant des différences par lesquelles les uns et les autres peuvent s'enrichir, et qui, bien loin de générer des conflits et des tensions, devraient au contraire être source de bénédiction les uns pour les autres et d'enrichissement les uns par les autres. Et Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, nous dit « Il a détruit le mur de séparation, l'inimitié qui séparait les Juifs et les non-Juifs. Et de ces deux qui étaient ennemis, il les a réconciliés par le sang de la croix. Et des deux, il n'en a plus fait qu'un. » Voyez-vous, l'Église, c'est ce corps où Juifs et non-Juifs coexistent en gardant leur identité propre et pourtant, eh bien, en étant un, exactement comme dans le mariage, l'homme et la femme restent ce qu'ils sont, sinon il n'y aurait pas de mariage, et en même temps, ils sont un. Les deux deviendront une seule chair, nous est-il dit dans le livre de la Genèse. Et c'est cette même idée que nous retrouvons dans le Nouveau Testament par rapport aux Juifs et aux non-Juifs dans l'Église. Les deux sont un maintenant, tout en gardant leur identité propre et en s'enrichissant les uns les autres. Mais cette source d'enrichissement, elle vient, nous dit l'apôtre Paul, essentiellement des racines. Je voudrais ici évoquer brièvement l'image de l'olivier. Pourquoi Paul choisit-il cet arbre pour qualifier cette relation entre juifs et non-juifs dans l'Église? Eh bien, pour une raison très simple, c'est que l'olivier est un arbre très spécial, très particulier. Et dans la tradition juive, on l'appelle l'arbre de la lumière. Pourquoi l'arbre de la lumière? Pour deux raisons. La première, parce que l'olivier est un arbre qui vit dans les pays méditerranéens. Je ne pense pas que vous en ayez beaucoup en Suisse. J'en rencontre souvent quand je suis dans le sud de la France. Et bien sûr, là-bas, nos frères du sud de la France et des pays méditerranéens comprennent beaucoup plus facilement ce que j'explique. Quand vous regardez un olivier, vous constatez que le dessus de ses feuilles est vert, le dessous est argenté. Si vous soulevez cette feuille de l'olivier, vous la retournez, elle est argentée. Pourquoi? Parce que lorsque le soleil tape fort, eh bien l'olivier, pour se protéger de la chaleur du soleil, tourne ses feuilles à l'envers, présente au soleil la partie argentée de ses feuilles qui joue comme un miroir et qui renvoie la lumière du soleil. Si bien que l'on a l'impression que l'olivier resplendit de mille feux. Et c'est la raison pour laquelle on l'appelle l'arbre de la lumière. Et puis une autre raison pour laquelle on appelle l'olivier l'arbre de la lumière, c'est parce que à partir de l'huile de ses olives, on faisait une huile qui était brûlée dans les lampes. C'était le moyen de s'éclairer à l'époque, les lampes à huile. Vous connaissez tous la parabole des 10 vierges qui étaient allées à la rencontre de l'époux avec des lampes à huile. Et pour pouvoir donner cette huile, les olives doivent être broyées. Et les sages ont dit ceci: l'huile qui coule de ces olives broyées, ce sont les larmes de l'olivier. Pour pouvoir donner cette lumière, l'olivier doit être broyé, l'olivier doit souffrir. Et c'est la raison pour laquelle l'olivier, dans la tradition juive et dans la Bible, représente deux choses. D'abord, il représente le peuple d'Israël. Dans le livre de Zacharie, il y a une vision, chapitre 4, où le prophète voit un chandelier d'or, une menorah, et de chaque côté, à la droite et à la gauche de la menorah, il y a deux oliviers, dont l'huile coule directement dans les conduits de la menorah, et la menorah brille. Les sept branches du chandelier, de ces branches de chandelier sortent des flammes qui forment sept mots,
sept mots d'une phrase, qui en hébreu comprend sept mots, Lo vechai ve lo bechoar kim beruchi, non par puissance ni par force, mais par mon esprit. Et cette fois-ci, l'olivier ici et la menorah représentent le peuple d'Israël. C'est une des raisons pour lesquelles les armes, l'écusson de l'État d'Israël aujourd'hui a repris cette vision de Zacharie et représente un chandelier à sept branches avec les deux oliviers à la droite et à la gauche. Et le texte de Zacharie nous dit ceci, cet olivier, ces deux oliviers, ce sont les deux messies de l'Éternel qui se tiennent debout devant le Seigneur de toute la terre. De telle sorte que l'olivier est non seulement le symbole d'Israël, mais il est également le symbole du Messie. Nous avons dit tout à l'heure, l'olivier c'est l'arbre de lumière. Et le peuple d'Israël a pour vocation de devenir la lumière des nations. Ésaïe 49, « Je t'établis pour être la lumière des nations et pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Mais l'olivier, c'est aussi l'image du Messie qui va accomplir la vocation d'Israël. Et Jésus dira, « Je suis la lumière du monde. » Et ça aussi, c'est tiré d'un midrash inspiré de l'image de l'olivier. Le midrash, c'est une explication, un commentaire, où il nous est dit que lorsque Dieu crée la lumière au commencement, eh bien, le problème, il y a de la lumière, c'est de savoir d'où vient la lumière. Parce que les sources de la lumière, le soleil, la lune, les étoiles, ne sont créées que le quatrième jour de la création. Et la première réalité qui apparaît au moment de la création, c'est justement la lumière. Qu'il y ait de la lumière, il y a de la lumière. D'où vient cette lumière ? Et la réponse, cette lumière, c'est la lumière du Messie qui est avant le commencement. Et dans la tradition juive, à cause de cela, le Messie porte un nom, Néhara. Ça vient de Ner, ça veut dire la lampe. Le Messie est la lampe du monde, la lampe qui éclaire le monde. Et Jésus reprendra cette idée, je suis la lumière du monde. Je vous ai dit tout à l'heure que pour que l'olivier donne cette lumière, ces olives doivent être broyées. Et non seulement elles doivent être broyées, mais c'est comme si l'olivier pleurait. Et Jésus, le Messie, s'est trouvé dans un jardin qui était sur le mont des Oliviers, et qui s'appelait Gat Shemanim, ça nous donne Gethsemane en français, ça veut dire le pressoir des olives. Et là, Jésus a été sous cette pression du péché du monde. Les évangiles nous le montrent, écrasé par le poids de nos péchés. Et il nous est dit qu'il a pleuré tellement que sa sueur devenait comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Jésus a été cet olivier qui a été brisé pour nos péchés, blessé pour nos iniquités, pour que le châtiment qui était tombé sur lui puisse nous procurer la paix et que nous puissions marcher dans sa lumière. Et puis troisièmement, l'olivier, c'est aussi le symbole de la résurrection. Parce que l'endroit où l'olivier pousse essentiellement, c'est cette montagne qui se trouve à l'est de Jérusalem et qu'on appelle la montagne des Oliviers. Dans le Midrash dont je parlais tout à l'heure, où il est question de cette lumière qui était au commencement, qui était le Messie, on dit aussi, mais d'où vient cette lumière du Messie ? Il y a un autre texte, au chapitre 8 du livre de la Genèse, où après le déluge, l'arche s'arrête sur le mont Ararat. Et Noé va ouvrir la fenêtre de l'arche pour permettre d'abord au corbeau de partir, et le corbeau donc revient, les eaux ne sont pas encore baissées. Et puis il envoie la colombe. Une première fois, la colombe revient parce qu'elle n'a pas trouvé un seul lieu pour poser ses pattes. Et puis ensuite, elle revient une deuxième fois en tenant dans son bec un rameau d'olivier. La colombe, dans la Bible, c'est l'image du Saint-Esprit.
Et il nous est dit qu'au commencement, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de l'Éternel reposait au-dessus des eaux. Et ensuite, Dieu dit qu'il y ait de la lumière et qu'il y a de la lumière. D'où vient cette lumière du Messie? Et la réponse des sages est celle-ci. Elle vient de la colombe, qui est allée cueillir un rameau d'olivier et qui l'a apporté pour apporter la lumière au monde. La lumière de Dieu, elle est la conjonction de deux réalités, le Saint-Esprit qui apporte le Messie au monde. Et l'ange Gabriel va dire à Marie, mère de Jésus, avant qu'elle ne conçoive Jésus dans son sein, il lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et le Très-Haut, l'ombre du Très-Haut te couvrira de telle sorte que le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Jésus est né du Saint-Esprit, et parce qu'il est né du Saint-Esprit, il a pu être la lumière du monde. Et nous retrouvons ici cette image de l'olivier. L'olivier, image d'Israël et de la permanence des promesses de Dieu. Il y a un texte que nous voulons lire maintenant dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 11. C'est un texte qu'on lit dans cette période de Noël. Il nous est dit ceci, verset 1er, « Puis un rameau sortira du tronc d'Ishaï, et le rejeton de ses racines fructifiera, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. » Tous les commentateurs juifs sont d'accord pour dire que ce tronc d'Ishaï, c'est un tronc d'olivier. Lui seul peut correspondre à la description que nous en fait le prophète Ésaïe. L'olivier est un des arbres qui a la plus longue durée de vie de tous les arbres de la terre. À Jérusalem, on montre encore des oliviers qui ont 2000 ans d'âge. Ils sont dans une situation évidemment très spéciale, mais ils sont là. Et l'olivier est un arbre qui est pratiquement indestructible. Si vous le coupez, il repousse toujours. Je me souviens de cet ami en Israël qui avait un olivier à l'entrée de son portail. Là, ça le gênait pour rentrer sa voiture. Alors, il a coupé cet olivier. Mais comme il savait que l'olivier est un arbre très difficile à détruire, il s'était amusé à brûler les racines jusqu'au bout. Il avait complètement réduit en cendres les racines de l'olivier. Et quand je le visitais peu de temps après, il me dit « Regarde, tu vois cet olivier ? J'en ai brûlé les racines, regarde !» Il est en train de repousser. Il n'y a rien à faire. On ne peut pas le détruire. Et qu'est-ce qui se passe quand vous avez une souche d'olivier qui a été comme ça apparemment détruite? Eh bien, à quelques centimètres, vous avez un rejeton qui reparaît. C'est ce que nous dit ici le prophète. Un rejeton sortira du tronc d'Ishaï. Le tronc d'Ishaï, évidemment, Ishaï, c'est la famille de David, c'est le peuple d'Israël, c'est le Messie. Et par conséquent, le prophète vient d'annoncer dans les versets précédents que le peuple d'Israël va connaître une catastrophe. Il va être coupé comme un arbre, coupé comme un olivier. Et quand le peuple d'Israël sera en exil, on aura l'impression qu'il est définitivement détruit. Mais le prophète dit, il en sera comme de l'olivier. L'olivier repousse toujours. Vous pouvez tout faire pour le détruire, il repoussera toujours. Il y a les racines, vous comprenez. Et les racines sont indestructibles. Et c'est l'image ici que nous retrouvons chez Paul, dans le texte de Romains 11 que nous avons lu. Les racines. Des branches ont été coupées, des branches ont été retranchées. Et Paul écrivait ces choses peu avant le troisième exil, le plus terrible exil qu'Israël ait jamais connu. Cet exil qui est en train de s'achever seulement maintenant, après 2000 ans. Et pendant toute cette période-là, on a pu dire, on a pu croire, mais le peuple d'Israël, il est fini, il n'en est plus question. Et on trouve encore dans les fouilles archéologiques, à Jérusalem, des pièces de monnaie qui ont été frappées par les Romains après la chute de Jérusalem en 70. On y voit Jérusalem sous la forme d'une femme qui est sous un olivier et qui pleure. Et il y a sur cette pièce de monnaie cette expression « Judea capta »,
la Judée captive. La Judée est détruite. Déjà, un pharaon avait dit quelque chose de semblable. C'était le pharaon Mer-Neptar. Au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, on a retrouvé une stèle. Une stèle qui porte son nom et sur laquelle, pour la première fois en dehors de la Bible, on trouve le nom d'Israël. Et voici ce qu'écrivait ce pharaon. « Israël est détruit, il n'a plus de descendance. » Exactement comme mon ami qui dit « ça y est, cet olivier, il est fichu. » Eh bien non, il y a toujours un rejeton qui va pousser. Pourquoi ? Parce que les racines sont saintes. Et quelles sont les racines ? Ce sont les patriarches, auxquels des promesses éternelles ont été faites. Et par conséquent, on aura beau faire, tous les conquérants, tous les antisémites, tous les Hitlers de tous les temps, tous les Ahmadinejad, tous ces gens-là pourront faire tout ce qu'ils voudront pour détruire le peuple d'Israël, il ne disparaîtra pas. On raconte que le roi Frédéric de Prusse, qui avait été lassé d'entendre les sermons de son chapelain, un beau jour l'a interrompu brutalement et lui a dit « En trois mots, donne-moi une preuve de l'existence de Dieu ». Et le chapelain ne s'est pas démonté, il a dit « Sire les Juifs ». Trois mots, « Sire les Juifs ». Il avait compris ce caractère indestructible du peuple d'Israël. Israël a vécu pendant ses exils dans les situations les plus invraisemblables qui soient. Et il en est toujours ressorti, alors que ceux qui le persécutaient ont disparu de la scène de l'histoire. Il est ce rejeton qui sort du tronc du chai dont parlait notre texte. Et Paul nous dit la même chose. Pour un temps, l'olivier d'Israël, il a été coupé, mais il ressurgira, il renaîtra, parce que les racines sont saintes. Et voilà, toi qui appartiens au reste des nations qui a cru, toi aussi tu as été greffé sur ces racines de l'olivier. Et toi, le païen, qui était autrefois complètement étranger au peuple d'Israël, complètement étranger aux alliances qui avaient été faites par Dieu avec le peuple d'Israël, eh bien maintenant, tu participes à la sève de l'olivier. Ça veut dire qu'ayant été greffé au sein de ces branches de l'olivier naturel, de l'olivier, oui, l'olivier de culture, eh bien, tu vas participer à tous les privilèges du peuple d'Israël, toutes les promesses du peuple d'Israël, toute la vocation, toute l'élection du peuple d'Israël, ses écritures, son Dieu, son Messie, et toutes ces choses, elles sont à ta disposition, toi païen. Non pas à la place d'Israël, comme nous l'avons vu tout à l'heure, mais avec Israël. Tu participes aux côtés d'Israël à toutes les bénédictions que ce peuple a reçues de Dieu et que maintenant, dans la grâce qui a été faite par Jésus-Christ, qui est aussi cet olivier, qui lui aussi est réapparu comme ce rejeton après avoir été coupé sur la croix, n'est-ce pas, retranché du sein de son peuple, comme dira le prophète Ésaïe. Et voilà pourtant, après avoir offert sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une descendance et il prolongera ses jours, comme cet olivier. Et ce faisant, par lui, nous avons maintenant accès à toutes ces racines de l'olivier. Mais à une condition, c'est que nous soyons greffés sur les racines de l'olivier. Si nous nous en détachons, alors nous sommes comme des branches qui se dessèchent. Et le drame de l'Église, c'est justement que bien souvent dans l'histoire, elle s'est séparée de ses racines juives. Parfois on me demande, pourquoi vous intéressez-vous comme ça à Israël? Est-ce que vraiment la question d'Israël est importante pour nous chrétiens? Alors je réponds d'abord un premier point, c'est que la Bible, à pratiquement chaque page, nous parle d'Israël. Que ce soit aussi bien dans l'Écriture que dans le Nouveau Testament. Ça, on l'oublie. Je vous disais hier,
que dans les évangiles, le mot « église » n'apparaît que deux fois, mais le mot « Israël » un nombre incalculable de fois. Si le texte inspiré par le Saint-Esprit mentionne si souvent Israël, c'est parce qu'aux yeux de Dieu, Israël est important. Et si Israël est important pour Israël, est-ce qu'il peut ne pas avoir d'importance pour nous ? La deuxième raison, c'est celle que donnait un théologien hollandais qui disait ceci. Ce n'est que lorsque l'Église se penche sur le mystère d'Israël qu'elle est capable de comprendre son propre mystère. Et la compréhension que nous avons de notre identité chrétienne, elle ne peut nous être donnée que lorsque nous nous approchons d'Israël. La compréhension de nos Écritures, ces Écritures qui sont d'abord les Écritures juives, d'ailleurs ça concerne aussi le Nouveau Testament, cette compréhension ne peut nous être donnée que dans la mesure où nous le lisons au travers d'Israël, parce qu'Israël est le peuple qui a reçu cette révélation. Et comme je l'expliquais tout à l'heure aux étudiants de Libéto, beaucoup d'erreurs qui ont été cause de tellement de divisions dans nos églises depuis l'époque de la Réforme viennent de ce que l'on n'est pas resté greffé sur les racines juives de l'Église. Et des hérésies telles que le salut par les œuvres, telles que la mariologie, telles que d'autres erreurs de ce type-là, le baptême des petits-enfants ou des réalités de ce type-là viennent de ce que l'on s'est séparé de ses racines. Si l'on était resté greffé sur les racines, on aurait évité ces erreurs-là, le culte des statues aussi. Et cela aurait évité des drames et des déchirements dans les églises. On ne serait pas dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Pourquoi s'intéresser à Israël ? Précisément à cause de cela. Et je voudrais maintenant terminer et conclure en disant, en revenant à ce que nous disions tout à l'heure. Israël, ce sont justement les racines qui nous portent. Et l'Église est une réalité juive. Notre religion chrétienne est une religion juive. Et si cela n'était plus, alors nous deviendrions une religion étrangère, une religion parmi d'autres, et non pas le résultat de la révélation de Dieu. Dieu a fait alliance, et la nouvelle alliance avec le peuple d'Israël. Et cette alliance, il l'a ouverte aux païens pour qu'ils y entrent par la foi individuellement. Et cette réalité nous permet non seulement de subsister, comme le peuple d'Israël a subsisté à cause de ce reste fidèle, mais en même temps, il garantit, comme le disait Jésus dans le texte que j'évoquais hier, la fameuse confession de Pierre, que l'Église ne pourrait pas non plus être détruite. Pas plus qu'Israël ne peut être détruit, pas plus il sera possible de détruire l'Église. Alors, ne nous méprenons pas sur cette expression. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas y avoir des pans entiers de l'Église qui vont disparaître, exactement comme il y a eu des pans entiers du peuple d'Israël qui ont disparu. L'Église, elle n'est pas meilleure que le peuple d'Israël. L'Église des païens ne l'est pas. Elle peut être aussi apostate, sinon plus, que le peuple d'Israël. Et de la même manière que Dieu a jugé le peuple d'Israël, il va aussi juger son Église. Quand nous regardons, par exemple, ce qui se passait dans l'Antiquité, c'est ce qui s'est produit aussi. Il y a un peu plus d'un an de cela, je me trouvais en Turquie avec un groupe de chrétiens, nous étions à la recherche des églises de l'Apocalypse, les sept églises d'Asie. Nous avons visité ces sept églises. Et je me souviens de cet endroit qui était l'église de Philadelphie. Philadelphie est une grande ville de Turquie aujourd'hui, de plusieurs dizaines, voire de centaines de milliers d'habitants.
Elle ne s'appelle plus Philadelphie, elle a un nom que j'ai oublié, peu importe. Mais à Philadelphie, il n'y a pratiquement plus un seul souvenir chrétien. Tout ce qui reste, c'est une église byzantine qui date du VIe siècle et qui est en ruine, et que l'on appelle, à cause de cette référence, l'église de Saint-Jean. Et comme c'était finalement le seul endroit chrétien qu'il y avait à voir à Philadelphie, nous nous sommes rendus pour voir cette ruine, qui d'ailleurs n'avait plus aucun rapport avec la Philadelphie biblique. Et quand nous sommes arrivés là-bas, c'était un jardin où il y avait un arc-boutant, qui était d'ailleurs effondré en son centre. Une impression de mort, une impression de délabrement terrible. Et quand je me suis retourné, après avoir fait le tour de cette structure, il y avait à l'arrière-plan une superbe mosquée flambant neuf. Et j'ai fait la photo, avec au premier plan cette église en ruine, et à l'arrière-plan la mosquée flambant neuf. C'est un symbole. Toutes ces églises qui ont été fondées par Paul et par les apôtres, la Turquie, qui était un des bastions du christianisme ancien, l'Afrique du Nord, qui était aussi un des bastions du christianisme ancien, la terre d'Israël, le Moyen-Orient, toutes ces régions qui ont été le berceau du christianisme. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? Quand nous lisons la Bible, il y a une loi spirituelle. Dieu juge son peuple infidèle par des peuples étrangers et barbares. Dieu l'a fait pour le peuple d'Israël et Dieu l'a fait pour l'Église ancienne. Et quand je suis revenu de Turquie, j'étais plus que jamais convaincu de cela. Aujourd'hui, le christianisme en Turquie, ce n'est plus qu'une ruine. Il ne reste plus que quelques milliers de chrétiens sur 72 millions de Turcs. Une poignée de chrétiens. Le reste a disparu. Et aujourd'hui, nos églises d'Occident sont aussi dans un état de déliquescence avancée. Et nous sommes en train de connaître ce qu'a été le sort des églises de Turquie à partir de l'expansion de l'islam, des églises d'Afrique du Nord. Est-ce que nous pouvons penser que parce que c'est nous, Dieu nous épargnera ? Sûrement pas. Si Dieu n'a pas épargné son peuple, il ne t'épargnera pas non plus. Ne sois pas orgueilleux, mais crains. Et je crois que dans le temps dans lequel nous vivons, cette exhortation de l'apôtre prend tout son sens. Aujourd'hui, c'est une question vitale. Est-ce que l'Église va survivre dans nos pays ? D'Europe. Certes, d'aucuns répondent, mais oui, mais bien sûr. Et pourquoi bien sûr? Vous pensez bien que les chrétiens de Philadelphie, d'Éphèse et d'autres régions du même type, si on leur avait posé la question, mais vos églises vont-elles subsister? Mais bien sûr, elles auraient dit. Ne sont-elles pas florissantes? Non. Aujourd'hui, il est évident que s'ils ont pensé cela, ils se sont trompés. Nos églises n'ont aucune garantie de subsister à moins que nous ne revenions au Seigneur de tout notre cœur. Mais même si les églises devaient disparaître d'Occident, elles ressurgiraient ailleurs. Parce que tel l'olivier dont il est question, il y aura toujours une branche qui ressurgira. Le problème, c'est d'être du bon côté de la barrière. Et voyez-vous, ici, je termine pour ce soir l'Église et Israël. Israël est une prophétie de ce qui est l'Église aussi. L'Église et Israël sont solidaires, pour le meilleur et pour le pire. Pourquoi s'intéresser à Israël ? Parce que notre salut dépend du sien. Parce que nous ne nous sauverons pas sans eux. Parce que nous ne serons pas sauvés sans eux. Et au dernier jour, Dieu veut qu'il y ait des croyants, des élus de toutes les nations qui soient sauvés avec le peuple d'Israël. Notre salut dépend du sien. Quand ? Jusqu'à quand ? Le texte nous dit, lorsque la plénitude des païens sera entrée. Le pléroma, peut-être demain j'en parlerai plus longuement. Aujourd'hui, ce que je vais insister, ce sur quoi je vais insister, c'est ceci.
ne sois pas orgueilleux vis-à-vis du peuple d'Israël, mais crains. Et la nécessité qui nous est faite de revenir aux sources, de revenir sur ses racines, pour qu'à nouveau nos églises soient vivifiées par la sève de l'olivier, qu'elles puissent reprendre vie et qu'elles puissent subsister dans ces temps difficiles, comme le disait le psalmiste, comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas parce qu'il est au bord de ce torrent. Et quand bien même la sécheresse viendrait, le fait qu'elle soit à côté d'un torrent d'eau fait qu'elle ne se dessèche pas. Le torrent d'eau, c'est aussi justement cette révélation qui a été donnée à Israël, dont parle le psalmiste dans le psaume 48. « Toutes mes sources sont en toi. » Prions maintenant. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous pencher ce soir sur le mystère d'Israël pour comprendre notre propre mystère, le mystère de notre vocation, le mystère de cette élection imméritée dont nous sommes l'objet par ta pure grâce. De sorte, Seigneur, que, comme ces branches d'un olivier sauvage, nous sommes greffés sur l'olivier d'Israël et tu nous donnes le privilège de pouvoir participer à la sève de l'olivier, c'est-à-dire à toutes les grâces et tous les privilèges d'Israël. Seigneur, tu nous avertis que cette greffe est contre nature et qu'elle ne subsiste que par un miracle permanent de ta part. Et que ce miracle, la poursuite de ce miracle, elle dépend de notre persévérance dans la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Seigneur, tu sais combien dans ces temps d'apostasie qui marquent notre monde, nous pourrions être nous aussi tentés, Seigneur, de faiblir et de tomber, Seigneur, dans ces travers dans lesquels est tombé le peuple d'Israël dans sa majorité à ces périodes d'apostasie. Seigneur, nous voulons te demander la grâce de demeurer ferme en toi, d'être solidement attaché à ses racines et, Seigneur, d'être comme ces rejetons qui jaillissent d'une terre desséchée, ces rejetons qui repoussent d'un tronc qui est coupé. Seigneur, tu es capable de faire ce miracle pour ton peuple d'Israël, tu es capable de le faire pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous te prions pour que nous ne soyons pas à nouveau arrachés comme l'ont été ces églises d'autrefois, mais Seigneur, que nous puissions subsister jusqu'à ton retour et être debout devant le Fils de l'homme quand il viendra, au nom de Jésus. Amen.